Exode chapitre 30. Tu feras l'autel de l'encens en bois incorruptible. Tu lui donneras une coudée de long sur une coudée de large. Il sera quadrangulaire et haut de 2 coudées. Il aura des cornes en saillie. Tu revêtiras d'or pur sa grille et ses panneaux tout autour, et ses cornes, et tu lui feras tout autour une couronne d'or en torsade. Et sous sa couronne en torsade, tu feras 2 anneaux d'or pur, un de chaque côté. Ils serviront d'anse au levier pour l'enlever. Ceux-ci seront de bois incorruptible, et tu les revêtiras d'airain. Tu placeras l'autel devant le voile qui couvre l'arche du témoignage, où je me manifesterai à toi. Et tous les matins sur cet autel, Aaron fera brûler le parfum composé et précieux. Pendant qu'il nettoiera les lampes, il brûlera de l'encens sur l'autel. Le soir aussi, lorsque Aaron allumera les lampes, il brûlera de l'encens sur l'autel. L'encens fumera toujours, toujours devant le Seigneur jusqu'à vos dernières générations. Tu n'apporteras point d'autre parfum sur l'autel, tu n'y déposeras ni fruits ni offrandes, tu n'y répandras pas de libation. Une fois par an, Aaron priera sur l'autel et les cornes de l'autel pour apaiser Dieu. Il purifiera l'autel avec le sang de la purification, jusqu'à vos dernières générations, car il est très saint pour le Seigneur. Le Seigneur parla encore à Moïse et il dit, « Si tu fais le dénombrement des fils d'Israël en les inspectant, chacun donnera au Seigneur la rançon de sa vie, et il n'y aura point chez eux de désastre pendant qu'ils seront inspectés. Et voici ce qu'ils te donneront à mesure qu'ils se présenteront devant toi pour être visités, une drachme conforme à la double drachme consacrée. Ayant 20 oboles, cette drachme offerte par eux sera pour le Seigneur. Quiconque passera à la visite, âgé de 23 ans et au-dessus, fera cette offrande au Seigneur. Le riche n'ajoutera rien, le pauvre ne retranchera rien à cette drachme donnée en offrande au Seigneur, pour le rendre propice à vos âmes. Tu prendras l'argent de l'offrande des fils d'Israël, et tu l'emploieras à l'œuvre du tabernacle du témoignage, afin que le Seigneur se souvienne d'eux et soit propice aux âmes des fils d'Israël. » Le Seigneur continua de parler à Moïse et il dit, « Fais un réservoir d'airain à base d'airain pour qu'on s'y lave. Tu le placeras entre le tabernacle du témoignage et l'autel, à l'entrée du tabernacle du témoignage, et tu y verseras de l'eau. Et Aaron et ses fils, avec cette eau, se laveront les pieds et les mains. Ils se laveront avec de l'eau avant d'entrer dans le tabernacle du témoignage, afin de ne point mourir lorsqu'ils s'approcheront de l'autel, pour exercer le sacerdoce et offrir les holocaustes au Seigneur. Ils se laveront avec de l'eau, les pieds et les mains, avant d'entrer dans le tabernacle du témoignage. Ils se laveront avec de l'eau, afin qu'ils ne meurent pas. Loi perpétuelle pour Aaron et ses générations après lui. » Le Seigneur parla encore à Moïse et il dit, « Prends des parfums, de la fleur de myrrhe choisie, prends-en 500 cycles, prends 250 cycles de cinnamome odoriférant, prends autant de cannes aromatiques, avec 500 cycles d'iris au poids du cycle consacré et un hin d'huile d'olive, et fais-en de l'huile parfumée, un crème saint, le baume par excellence, produit de l'art du parfumeur, ce sera une huile sainte pour les onctions. Et tu en oindras le tabernacle du témoignage, l'arche du tabernacle du témoignage, avec tout son ameublement et le chandelier, et tous ses ustensiles et l'autel de l'encens, l'autel des holocaustes, la table avec tous ses ustensiles et le lavoir. Tu les sanctifieras, et ces choses seront saintes. Quiconque les touchera sera sanctifié. Tu oindras aussi Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Tu parleras ensuite aux fils d'Israël, et tu leur diras, « Cette huile parfumée, crème de l'onction, sera sainte pour vous et pour vos générations. Nulle chair n'en sera ointe, on n'en fera point de pareil, c'est chose sainte, elle sera sacrée pour vous. Celui qui en fera de pareil, celui qui en donnera à un étranger, sera exterminé parmi le peuple. » Et le Seigneur dit à Moïse, « Prends en égale quantité de l'huile de myrrhe, de l'onyx, du galbanum odoriférant et de l'encens diaphane, et l'on en composera un encens odoriférant, produit de l'art du parfumeur, œuvre pure et sainte. Tu
tu le couperas en petites parcelles et tu en brûleras devant les témoignages, dans le tabernacle du témoignage d'où je me manifesterai à toi. Cet encens sera pour vous très saint. Et vous n'en ferez point de pareil pour vous-même. Il sera par vous consacré au Seigneur. Celui qui en fera de pareil pour jouir de son parfum périra par le peuple.